va plutôt pas mal. Il fait beau, il fait chaud ici à Salvador. J'ai réussi à ramener MACSF à bon port. C'était une grosse mission. Ça a pris du temps. Ça s'est fait dans la lenteur, dans la douceur, mais c'était très important. Et ça n'a pas toujours été facile parce que c'est vrai que sur ce dernier tronçon, il y a eu des grains, il y a eu des petits coups de vent. Et du coup, il fallait quand même toujours être aux aguets et être très réactif pour garder le bateau à plat. Donc, très contente d'être arrivée. Ah, ça fait bizarre hein, de revenir à terre. C'est hyper sympa, surtout que là, c'est vraiment Salvador, c'est une ville que j'aime beaucoup. C'est sympa de retrouver mon équipe. C'est vraiment... Il y a des choses qui m'ont manqué et que je suis vraiment contente de retrouver. Et en même temps, ça fait bizarre de quitter mon bateau. Ça fait bizarre de marcher sur un sol qui ne bouge pas et de dormir sur un lit qui ne bouge pas. Ma première envie à terre, c'était de manger des fruits exotiques. J'y pensais déjà depuis quelques jours et ça a été un grand moment. Alors, dans les prochains jours, notre objectif, c'est de vérifier que le bateau puisse être réparé et qu'il puisse repartir par la mer. C'est vraiment notre objectif. Et moi, de mon côté, je prépare à la fois un nouveau départ et en même temps, j'en profite pour me reposer parce que ça va être encore un petit morceau jusqu'au retour au sable.